Eh oui, tu es bien dans The Big Gamoski et on y retourne. Où ça? Ne me tentez pas. Non, ne me tentez vraiment pas. C'est trop facile. Allez, trois. Non, pas trois lettres. On y retourne. Bah, vous m'avez aimé dans le premier, dans Les Animaux d'Immonde. Ben oui, vous m'avez aimé également dans le quatrième, il me semble. Oui, c'est ça, les peluches possédées. Et donc, bah, on y retourne une fois de plus pour un nouvel épisode dans. The Cursed Forest. Ça fout les foies. Alors, la bad news, c'est que j'ai fait une super intro et que le jeu a crashé. Comment ça, c'est un fail? Non, 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 non. Il compte pas celui-là. C'est le jeu qui a crashé. Le jeu, pas fonctionné. Jeu cassé. Crack. Dead. Detto. Bon, je vais meubler un petit peu, parce que entre le chargement du jeu, plus le chargement de la sauvegarde derrière, et j'ai pas préparé de chanson. Oh là 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 là, je suis désolé, je suis confus. On me dit en régie, tu as un peu oublié de retirer l'image. C'est pas faux. Ne crache pas, crétin de jeu. Des fois, un alt tab, hein, ça leur fout les foies. Hein. Alors, en toute logique. Vous allez vite retrouver où c'est qu'on est, hein, puisque vous avez vu tous les streams précédents. Et je sais plus du tout, en fait, moi, où j'étais coincé. Je crois qu'il y a une histoire de baraque et de contournement de cette baraque pour accéder au point suivant, ou je ne sais pas. Je me rappelle plus du tout. Ça a été enregistré la nuit dernière et je n'étais pas moi. Si, j'étais moi, mais pas comme on voudrait, quoi. Continue. Alors, pendant ce chargement inexorablement long, je vais lancer un jeu. Et oui, puisque rien ne va plus, c'est la folie de partout, Youpi, Yukaidi, Yukaida. Et en plus, on approche du 500e numéro de The Big Gamoski, il me semble. Alors, il va y avoir pas mal de trucs, et notamment un jeu concours où il y aura du jeu et pas de la daube hein, à gagner. Donc abonnez-vous à cette chaîne, je vous le conseille vivement, puisque. Il va y avoir des indices qui vont vous être donnés. Ah oui, on va pas vous filer un jeu sans contrepartie. Et donc, bah, je vous recommande d'être un petit peu assidu au stream, parce que va peut-être y en avoir besoin. Parce que s'il y a des questions, elles seront pas trop dures, du moment que les gens ont été assez malins pour regarder les émissions. Et donc, bah, oui, j'ai très envie de vous filer des jeux, mais ça va se mériter, je vous le dis. Bon, je laisse le chargement, je vais tousser un peu. Bah oui, il est 15h du soir. Pas tarder à me coucher, moi. La belle de Cadiz a des yeux de velours. Ah ben le doc Cadiz, tu te rappelles plus les paroles. De toute façon, c'est fini, le chargement est fini. Oh, pourvu que je crève pas, parce que s'il faut tout recharger, je veux pas. Alors, je ne suis pas la dague. Je suis à une sauvegarde, ok. Cool. Et je dois être quelque part. Bah, il y a une map. Alors, 0 indice sur Sarah, 0 machin. Ok, si tu veux. Je suis toujours là? What the frag? Mais il m'a remis super en arrière ou c'est moi qui. Parce que l'idée c'était de partir de là et de faire tout ce trajet en voyant que c'était coincé de ce côté. Oui, je vous résume. Et donc fallait passer par ce côté-là, mais attention. Et après il fallait continuer par là, mais c'était moins évident. Et après il y avait une maison, mais la maison, pas super. Et moi je voulais aller jusque là-bas. Et on s'est arrêté par là, je pense. Où j'ai dû me prendre un piège à loup puisque. Mon chemin est parsemé de pièges à loups. C'est cassé, monsieur, ça ne passera pas. Allez. Ouh, mais ça passe là-haut. On va essayer de se la faire brève. Alors, petit problème technique. J'ai un contre-jour. Oh je. Oui, je suis mort comme ça hier. Et je me rappelle pas comment. Je me rappelle pas la suite. Alors, je vais retourner dans la baraque, des fois qu'il y a quelque chose qui se soit passé, mais
J'ai un peu le doute. Que dalle. J'ai un contre-jour. Ah, va des rétro, les streams enregistrés dans la journée, c'est un cauchemar. Comment ça, c'est pas un live? Bon, si, c'est un live, puisque c'est une prise, il n'y a pas de retouche. Et c'est un live enregistré. Eh oui. Qu'est-ce que vous croyez? Donc là, si vous regardez bien, je suis dans le chat. Vous pouvez me faire coucou. Coucou. D'ailleurs, je vais me répondre, tiens. Ça va? Tu rames un peu dans ce jeu, non? Je te laisse le temps de taper au clavier, t'es vieux, hein, avec tes vieux doigts esquintés. Faut du temps pour taper une phrase complète. Non, je me moque pas. Des chiottes, toujours rien dans les chiottes. Bon. Je suis le désappointement total. J'en profitais, hein. Regardez pas. Ouf, hop. Ah, ça va mieux. Allez. C'est la première fois quand même, ça c'est un achievement, hein, pour la première fois que j'utilise les GOG dans un jeu vidéo. Non, pas le truc qui vend les jeux pas cher. Les GOG, l'argot, pour les toilettes. Hop, hop, hop. Il y a du piège à con par là. Ça sniffe le piège à con. Oui, je me méfie pour rien maintenant, mais je préfère. Parce que j'ai pas envie de retourner à une sauvegarde qui est fort éloignée, je pense. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qui space? C'est sûrement une entité démoniaque amicale qui me veut du bien. Et qui s'est dit, tiens, pourquoi je lui ferais pas un comité d'accueil sympa? Alors je recommence la même expérience que hier, c'est-à-dire bah, que le précédent stream. Vous allez savoir tous les secrets. Et donc je vais rien dire. Sans brusquer, quoi, tranquille, tu vois. Moi, je serais toi. Non, bon, enfin, c'est vous, hein. Moi, j'aurais pas fait ça. Parce que ça a pas l'air solide. C'est pas avec un Batman que tu vas me faire peur. Hein. Je peux l'avoir ma note? Ma note, s'il vous plaît. Donc l'autre, il est parti du chignon, là. Il y a des histoires de couple. Il veut ressusciter sa fille et... Pff, sa femme est pas trop d'accord. D'ailleurs, je comprends un peu sa femme. Il a dû vriller un peu, le gars. Et à la sortie, je vais avoir droit à un... À un... Ouais, même pas un script. Alors, pour les gens qui ont raté le stream précédent, et ça c'est moche, vous devriez y aller tout de suite, puis vous revenez là, c'est plus simple. Il y a une histoire de sacrifice, peut-être pour faire ce rituel de ramenage à la vie de mort. Et dans le sacrifice, il est dit qu'il faut sacrifier quelqu'un, mais il faut qu'il soit consentant pour que ça marche. Et donc, pour faire l'inverse de ce sacrifice, pour rompre ce sort, ce charme, ce que vous voulez, eh ben, l'idée, ça serait de sacrifier quelqu'un qui n'est pas consentant. Genre. Je me demande ce que je fous là, mais voilà. C'était vachement bien ce petit détour. Ah, mais il m'a permis de voir qu'il y avait ça. En fait, non, je suis tellement... À la rue que je viens de faire n'importe quoi. Mais du moins, les streams durent avec moi, c'est ça qui est bien. Ouh là là, j'ai un contre-jour, là je vois pas s'il y a des pièges à loups par terre, je vais me les farcir, mais bien quoi. Pourquoi je passerai sur le pont alors que je peux passer à côté vu qu'il va s'écrouler? Hein?
1. Amstrad, hop. Pas passé loin. Le piège à loup réglementaire, il est dans le coin. Non, je demande avant. Je ne vois pas du tout s'il y a des pièges à loup par terre. J'ai un damné fragging contre-jour avec la réverbération sur l'immeuble en face. C'est d'une violence. J'ai l'impression d'être Ray Charles. Je vois des formes. Non, Ray Charles voit rien du tout, le pauvre. Une sauvegarde, je l'ai vu. Ça tombe bien. Je n'ai pas sauté de joie, vous avez remarqué quand même. Ça, c'est assez exceptionnel. Une maison avec quelque chose qui brille au loin. Mais pas que. Je vais préserver un peu le suspense. Hein. Un petit piège à con pour papa. Allez. It is locked. You're fucked up, my friend. Me, fucked up? Never. I saw you, little canaillou. On voit pas trop ce que c'est. Hein. C'est sûrement pas la télé. Comment ça, je fais durer? Bah ouais. Et je sauvegarde fréquemment, puisque... À mon avis. There's something weird in the neighborhood. Qui je vais pouvoir appeler? Je vois absolument que dalle avec mon contre-jour. C'est un cauchemar. Pourquoi je chuchote? Pour rien, pour rien. C'était pour voir si vous suiviez. J'ai vu un truc rouge de ce côté. Il y a un autre truc rouge. Qu'on passe par là. Là. Que c'est? Que c'est? Que c'est? On va faire le tour. Si proche et pourtant si inatteignable. Je vais fermer le rideau. Je n'y vois rien du tout. Je suis désolé. Deux petites secondes. Bon, j'y vois pas grand-chose de plus en fait. Mais je distingue. Je distingue. Là, je vois qu'il y a un truc. Ça s'appelle un caillou. Et là, je vais pas voir le piège que je vais me prendre dans la tronche, c'est un peu obligé. Je suis curieux. Hein. Oui, il faut que je récupère ça. Pas de piège à loup, les gars, je les vois pas. Un muet, il est un muet, c'est le mien, c'est mon précieux. Hop là, j'ai rompu le charme et je vais pouvoir pénétrer dans cette maison. Mais. Coucou. Tu veux jouer à cache-cache, toi, hein? Oh oui, t'as la grosse envie de jouer. Oui, le coup du porte-manteau, je me suis déjà fait avoir une fois. On ne l'a fait pas deux fois. Hein? Il y a de ces bugs des fois. En fait, les bugs sont plus effrayants que le jour lui-même. And now. And now you're still fucked up, my friend. Oh. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qui se passe? What? Activer quelque chose, ça a fait quelque chose a changé, chose. Et en plus il y a un dessous là.
Is it safe? Cette toile d'araignée est fantastique. Bon, bah, vous savez quoi? It's safe. Always look the bright side of life. Comment ça, c'est pas le bon moment? Bah, il faut. Je vous laisse lire un petit peu quand même. Des fois que ça vous intéresse. Moi, je suis en train de regarder Gros Boulon Magazine numéro 3717. D'ailleurs, page 34, il y a un article intéressant sur. Mais je m'égare, on y va. Hop, 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 hop. Alors. Des endroits où on n'y voit que dalle. Gikiniki. J'essaye, hein. Je me faufile tel le petit rat habile. Et je vais peut-être passer la fin de mes jours ici, hein. Même pas un bout de lampe, que dalle. C'était bien compliqué pour faire un tour. Vous non plus, vous ne voyez plus qu'un petit point sur l'écran? Oui, on voit la même chose alors. Là, tu n'y vas pas. Je crois qu'il veut jouer. Oui, mais pourquoi faire? C'est gentil de m'avoir laissé une petite bougie. Alors, j'ai un truc, j'ai un nounce. J'ai plein de nounours de squelettes. J'ai pas le droit de prendre un briquet parce que c'est trop. Puis on me dit plutôt d'aller vers là-haut. Donc j'y vais, moi je suis docile, je suis sage. Peut-être un peu con des fois. Allez savoir, ça s'ouvre dans ce sens. Ben, oui. C'est. On peut pas jouer avec. Alors, est-ce que j'aurais mon bout de map qui aurait avancé? Ce serait une bonne nouvelle. Un sur deux. Deux sur quatre. Et donc, je suis à la baraque tout à droite ici. Et il faudrait que j'aille à ce. Cette cheminée de centrale nucléaire, ou bien que je tombe dans ce piège à moi. Donc c'est pas le choix qui va manquer. Jour de fête. Dis-moi que t'es ouvert. Inventaire, il me reste donc le truc et le schmups. Qu'est-ce que je vais en faire de ce truc? Voyons voir. Si je le redéposais derrière la maison. Est-ce que c'est une bonne idée? Nous allons le savoir tout de suite après un flash d'information publicitaire. Oui, maintenant la publicité s'informe. Eh bien, tu as rushé pour rien, donc le truc doit être dans la maison. Vous avez vu comme je commence à bien rusher pour un mec qui a quand même la jambe droite en sang? C'est génial. Alors, il veut que je fasse encore un truc dans la baraque, mais quoi? Que veux-tu que je fasse, mon pauvre ami? Hop là. Une feinte à droite. En plus, c'est tout noir. Regarde. On y voit chi.
Et on peut pas remonter de toute manière. Donc, there's something weird, comme je disais tout à l'heure, dans le voisinage. Et qui vais-je pouvoir appeler? Bah, sûrement pas les chasseurs de fantômes, quoi. Ça, c'est. Oh putain, ça avait pas scripté comme il faut. Michel, qu'est-ce que tu fous là? Non, vraiment. Alors, je rappelle pour les gens qui n'auraient pas suivi, Michel, c'est mon épouvantail qui me suit de partout depuis le début du jeu et je sais pas trop ce qu'il me veut, mais il est rigolo. Je vais prendre la clé si tu permets, Michouille, hein. Cette clé va me permettre d'ouvrir le portail. Je te laisse finir ta sieste. Si tu veux me rejoindre dans le tableau suivant, tu m'envoies un SMS avant. Comme ça m'évite de faire un bond. Ah, ce Michouille. Portail, mais voilà. Utiliser la clé. Non, que dalle. Mais il se fout de moi, ce machin. Qu'on va insérer une coupure flash météo, hein. Parce que là, je ne vois pas pourquoi je peux pas continuer mon chemin alors que allègrement j'avais une bonne grosse envie d'aller me balader de l'autre côté et je vais faire du 4x4, hein. Non, il ne veut pas. Je vais sauter dans la flotte. Bah, c'est ça, on recommande pas trop en général par chez nous, hein, je veux dire. Ça peut se tenter, mais pas avoir la grosse envie. De toute façon, je l'ai sauvegardé juste avant. Hein. Qu'est-ce que je risque? De crever. Oui, bop. Hop là. Regardez-moi ça, posé comme une mariée. Pile sur la limite du mur invisible en plus. Bon, il n'était pas tant invisible celui-là parce qu'il était carrément mortel. Ok. Pouf pouf en rembobine. Est-ce que j'avais déclenché Michel? Non, toujours pas. Ok. Michoui. Ah, je savais que c'était toi, bougre d'andouille. Et donc, maintenant, si je regarde dans mes notes. Tout va être limpide, regardez-moi ça. Ou pas. Faut que j'aille là-bas. Il faut passer le portail. Ou alors. Vous voyez ce que je veux dire? On va jeter un oeil. Tan-tan-tan-tan. Oups. Je sauvegarde quand je suis dehors, c'est encore mieux. Je serai plus prêt pour recommencer. Qu'est-ce que j'aurais oublié par ici? Oui, je prends la méga super voix grave parce que là, le moment est grave. D'ailleurs, c'est la voix qui correspond. Pourquoi je ne puis pas? Alors ça, c'est l'autre côté où il y avait le chiotte en fait. Moi, il faudrait que je continue mon chemin par là-bas et je peux pas ouvrir ce portail. En fait, la soluce, elle est dans le portail. Il n'y a pas à tortiller du. De quoi? Du. Il n'y a pas à entortiller. Ça sert à rien. On n'est pas au pipe chaud. Donc, économisez-vous. Cette clé doit m'ouvrir ce fucking cadenas avant que je fasse une crise de nerfs. Trop tard. Ok. Bon. Je suis Eddie Murphy à nouveau. Je veux la clé. S'il vous plaît. La clé. À utiliser dans le. Je te maudis. Je te maudis. Je te conchis. Je te. Je sais pas ce que je pourrais faire de pire. Je pourrais pas. Je pense faire un truc pire. Quoi, mais tout de suite. En plus, j'ai un nounce qui me sert à rien et j'ai ce truc rouge là qui m'emmerde. Soyons un peu plus clairs. Je n'ai pas raté d'indice. Non, j'ai tout passé au peigne fin. Alors pourquoi cette tête de je putain. Retourne-moi. Tu veux jouer avec moi? Qui veut jouer avec moi? Quelqu'un veut jouer, personne veut jouer, vous êtes sûr que vous voulez pas jouer? On ne joue pas? C'est pour de vrai? C'est pour de sérieux?
Comment ça, je perds patience? Totalement, je perds patience. Oui. Michel, arrête de roupiller de moi, file-moi un indice, fais quelque chose, je vais te foutre le feu, quoi. T'es en paille, je te rappelle. Grumble. Ou que je suis pas content. Mais alors là, ma pas contentitude est à son summum. Non, je peux pas faire un sort qui m'ouvrirait le portail comme par magie ou sauter par-dessus là. Je regarde le chrono inexorablement. Et oui, aujourd'hui nous allons faire un épisode de moins de 30 minutes. Hein, parce que je vais pas vous faire tourner en rond comme un couillon. Que je suis, je vais le faire tout seul. Et je vous retrouve pour la partie suivante du stream où je vous dirai quel était le truc con qui m'a coincé, quoi. Parce que ça doit être un truc énormément con. Ça doit être. Même la connerie incarnée doit être petite en comparé, quoi. Et je n'ai pas plus d'indices que vous. Hein. Et comme c'est enregistré, je n'ai pas le chat. Ouh, je suis malheureux. Je vais me mettre là et je vais camper. Jusqu'à ce que ça s'ouvre. Allez, on fait ça. Je vous rappelle que vous avez le droit de vous abonner à la chaîne, malgré que des fois elle aime bien vous faire tourner en rond, c'est bizarre quand même. Et donc, bah, utilisez le petit bouton là à côté, n'hésitez pas. Puis regardez, la magie du web, je peux faire apparaître la playlist généraliste de The Big Game aussi. Et regardez, la playlist des shmups aussi. Truc de fou. À bientôt sur la chaîne. Ciao. Il était bizarre ce à bientôt.